là. Eh ben, je peux vous dire que... Bon, bah, ça y est, j'ai fait la Trouée d'Arembert, 2,3 km, 325 exactement, les 25. Ils sont pas pour rien. Franchement, très 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 compliqué pour un cycliste amateur comme moi. Tout de suite mal aux jambes et le pire, c'est les bras. Effectivement, on a l'impression d'avoir un marteau piqueur entre les mains. Au bout de 10 minutes, on est complètement pris jusque les avant-bras, jusqu'en haut des épaules. On est obligé de lâcher le guidon, remonter. Les mains, c'est juste un enfer. Enfin voilà, et puis aujourd'hui les conditions sont quand même pas terribles parce qu'il a plu toute la journée, le pavé est vraiment vraiment glissant, il brille. Alors j'ai croisé un cycliste amateur qui m'a donné quelques conseils rapidement au croisement. Il m'a dit reste sur le haut du pavé, c'est vrai que sur le haut du pavé ça va un peu mieux, mais contrairement aux professionnels, moi je roulais à 20 km/h alors que nos amis cyclistes, eux, ils vont débarquer ici dimanche à quasiment 60 km/h. Mais bon, je l'ai fait.